Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est un nouveau dossier, une nouvelle question. Souvenez-vous que la fois passée, on avait promis de revenir avec sur la question de Manono, sur la question de lithium, puisqu'il y a eu des allégations quand même assez sérieuses sur le plateau. Maïs Tshibangu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il avait dit que ce qui s'était passé n'avait pas de nom, qu'on ne pouvait pas le nommer, puisque c'était surréaliste. C'était terriblement incroyable. Donc, il fallait que l'on puisse voir. Et moi, j'avais demandé qu'on amène des images, que l'on puisse voir ensemble. Et puis après, l'on va commenter plus tard. Je le reçois aujourd'hui encore. Il revient sur la question de Manono. On va essayer un peu de comprendre la question en profondeur. Maïs Tshibangu, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur Moussé. Alors, c'est vrai que vous avez fait de l'investigation, vous allez sur place. Et l'avantage avec cette histoire, c'est que vous avez des éléments. Alors, d'abord, mets-nous dans les contextes qu'il faut avant de prendre l'élément en question. D'accord. Le contexte, c'est que, comme vous le savez très bien, le monde est en train de vivre une transition. Avec le réchauffement climatique, déjà vous le voyez dans les pays développés, raison n'a pas dit que couche de zone où est protégé par rayon solaire et comme il a bissot, couche de zone on a diminué à cause de la pollution au bissot bateau tout ce dans l'atmosphère. Et aujourd'hui il a été décidé dans le monde, on ne va pas y aller en profondeur, mais tout le monde le sait, il a été décidé dans le monde que par exemple na horizon 2030 bateau tout diminué consommation à carburant au babengara énergie fossile. Ça veut dire tokota na énergie renouvelable système rose a moins de pollution pour nous permettre race humaine, c'est-à-dire pour nous permettre humanité continuer qu'on vivre parce que mulagawana ils ont pollué mon pépé, ils ont diminué couche d'ozone, ils ont créé un problème dans le monde. Et l'une des solutions, effectivement, pour la transition, on a, c'est la batterie électrique. Je suis sûr que tout le monde a la télévision, la documentaire, etc. Comment fabriquer une voiture électrique? Parce que voiture électrique, il y a une batterie et vous avez un échappement à ma capacité pour avoir une couche d'ozone. Il y a expliqué qu'on a la terre, on comprend très bien. Donc, il faut passer sur une transition, quand même. Voilà, effectivement. Or, Bissot, tout ça, une grande ressource, une grande réserve. Voilà. Nango. La plus importante, d'ailleurs, comme on le dit, d'Afrique. Et du monde, la minute où sur l'évolution. Voilà. Si Koyo, tout ça, un problème dans Mboka Bissot. Chef de l'État a magi dernièrement bateau, Basalaki, et ma conférence à Bumunaki sur les batteries électriques. Il est aujourd'hui, d'ailleurs, Madame la ministre des Mines a yaki dernièrement à Katanga, au Balakaki bateau, que Congo a okomako fabriqué. Bah, batterie électrique, alors bien sûr, peut-être qu'on va exportateur parce que matière, Oyo, ils ont la base, il y a fabrication, il y a ma batterie, on a bien sûr tout ça. Nous avons le lithium, au Kassa, il y a le nickel, nous avons le cobalt. Donc aujourd'hui, le Congo a une position de choix dans le monde. Et aux autres, c'est que bien sûr, Congolais, tout miteka dans le monde parce que le monde est comme il a besoin d'un bien sûr Congo. Je ne vais pas le dire assez. Aujourd'hui, avec les problèmes que connaissent la connaît la Russie et l'Ukraine, la guerre na bango, les Européens ont commis qu'on a boycotté gaz russe. Mais solution na bango, ezanini. Solution na bango, mingi ezali RDC. Parce que dans les jours qui viennent, je voudrais l'annoncer aux téléspectateurs qui ne le savent pas, le chef de l'État a signé un contrat pour lancer construction et usine moua production à hydrogène na bakongo. Pour que Bissot peut-être bah n'ago teke là, bango kuna tozwa mbongo ekota na kesi ya l'État. Donc tout ça fait que le Congo aujourd'hui, sur le plan stratégique, sur la place mondiale, a une valeur très très importante. Mais le problème est très risqué. Ni tout pe bongo na Bissot congolais, tout comprendre que nous sommes devenus, nous avons toujours été, mais tout comprendre que nous devenons encore plus importants dans le système de l'écologie, Nakati à monde.
problème n'abiso suko toza na ngoyangwana. Parce qu'en réalité, nous sommes une puissance, mais nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Mais alors, est-ce que Maestu Bangou, est-ce qu'il y a eu par un jeu international qui consistait à piller systématiquement les ressources de la RDC sans nous faire profiter? Et que ce réseau-là est passé certainement par ce que moi j'appelle des bonnets, des valets, des personnes sans aucune morale, qui n'ont rien du Congo, ni d'histoire, ni d'ambition, ni de passion, pour, alors le terme le plus poli pour moi, c'est brader, pour brader toutes les richesses aux Tozalang. Est-ce que ça n'a pas été fait comme ça? Merci le gros lobby, le terme le plus poli. Ba brader te. Na lingala to yo lo baba sali bozoba. C'est-à-dire ba teki biso. Au moins ni ngeto zalaka boy, nous ne sommes pas conscients. Je regarde la télévision, surtout à Kinshasa, je pleure. Parce que les jeunes n'ont pas compris leur valeur. Tozana mboka moko oyo paka djuma yo zalate. C'est-à-dire ba fi ba sa ki bonumba ya 10 francs ya 20 francs non. Au moins ni tango to kina na ba église ko sa mela nzamba pa mola biso. Je suis sûr que les anges, bah c'est Karabiso parce que nous avons tout, Dieu nous a tout donné. Le problème, c'est le mental de l'homme congolais. C'est-à-dire que nous avons été entamés dans le comportement, dans le mental, l'abisso, au Congolais, d'abord, un sur le plan politique, a commis fanatique. Quand on passe à la télévision, on parle des chefs d'État, on parle des gouvernants, on parle de ceux qui nous dirigent, au lieu de parler de ceux qu'ils nous ont promis dans leur projet de société. Ou de ce qu'ils doivent faire. Ou de ce qu'ils doivent faire. Nous sommes fanatiques du chef de l'État. Nous sommes fanatiques des opposants. D'ailleurs, Bissouné, tout ça, mon Congo, dans ton commandé, bah, c'est-à-dire que systématiquement, ce que le chef de l'État m'a raconté, tu as mis malamour, bah, opposant là. Pour te remettre au soutenir, bah, tu as remplacé en oubliant qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, si Félix-Antoine Tshisekedi échoue, c'est le Congo qui échoue. Ça veut dire, comme nous avons perdu 18 ans à l'époque de Mabouina, nous allons encore perdre 5 ans. Lélo, Likamboto, il y a des gens pour nous parler de sujet. Likambo, il y a lithium. Oh, le monde entier, il y a des luka. Biso, tout ça, est belé. Et plus spécialement, il y a une société qui est communière. Il y a une katanga. Bazali n'a pas permis de recherche. Il y a commis les logos auprès des instances habilitées pour que ça ait un permis d'exploitation. C'est-à-dire que minerai wana, il y a un peu de temps pour que le budget soit à l'État, c'est comme je pense déjà autour de 10 milliards, et qu'on a 5 ans, parce que c'est possible, les minerais sont cher. Mais le problème, les alliés, c'est que le bateau est un régime passé, où il y a 18 ans, pour que le bateau soit un régime passé, quel que soit le problème, dictateur XYZ, mais Mobutu a été cambocaté. À l'époque de Mobutu, même sous-traitance, la mine est réservée à Congolais. Pas des... Il y a d'ailleurs une loi sur la sous-traitance qui existe, c'est promulguée, mais au moins, on a que, marché chinois, on a marché indien. Comment tu peux imaginer, Maestu Bangou, parce que tu en parles avec toi, comment tu peux imaginer que mine est là, par exemple, chinois? Mais que restaurant, ils allaient à la Chine. Moi, je ne comprends pas la logique. Pourtant, les lobes qui sont en Chine, ils sont en Chine. Les Congolais qui sont en Chine avant, ils sont en restaurant. Les Chinois, ils sont en restaurant congolais pour que les Chinois ne soient pas en train de se faire. Pourquoi? Parce que les Chinois sont en Chine. Mais biso sont en train de se faire. C'est-à-dire que ceux qui sont chinois, vous voyez, chaque Congolais a 2, 3, 4 chinois. Chaque Mukondi, chaque ministre, chaque général a chinois à protéger pour avoir des ressources minières. Mais aujourd'hui, nous sommes devant un problème très, très important. Pourquoi? Parce que soit, et que nous avons une guerre, soit, et que le Congo a raté l'occasion de se développer. La transition énergétique. Ça veut dire quoi? Nous avons une société qu'on appelle la Cominière. Cette société a cédé 70% de ses parts. Ça veut dire, ils ont une société d'Atomir. Société on a une australienne. Na époque, il y a papa wana on a linga otanga communauté communauté si ça ngaba pile. Ba société on a ba yaki awana RDC. Ba coopéra qui na le qui na yé. Oyo Azalaki, Kuna na Tanganyika comme gouverneur. Ils ont fait la pression sur les autorités de la Cominière pour
je ne sais pas si on a un bakaba, ba bradé. Mais c'est choquant au moment que, s'il y a un contrat, il y a joint venture, et si kawapi, société congolaise besoin 0 francs en cédant 70% des parts. 70%. 70% de joint venture. Pire encore. Voilà le mot bradage, comme il y a aliénation. Voilà, aliénation. Merci beaucoup. Ouais. Le ministre de l'époque s'appelait M. Kabouéloulou. Je me permets de le citer. Qu'il m'excuse, mais je pense que ce que ces gens ont fait à ce pays et ce que ces gens continuent à faire, pourquoi? Parce qu'ils ont encore support na bango, bazana nous kakako continuer. Oye, c'est que les bisous siko yo tolamouka, que le peuple, que les jeunes. Pourquoi tu as ça la makambo? Ils ont dit pour nous découvrir que. Nenge to aller au lieu to kenda ko kufa na poto to kota na babato to kufa na bibale to koma ba ndumba to koma ba pede to na osa makambo esengelite. Nous avons la possibilité, nous Congolais, de vivre bien, de vivre mieux sans ko sala mabe et même sans ko yiba, parce que ressources naturelles ezana kata mboka na biso ezana possibilité que Congolais to aneti na Dubai, c'est-à-dire ba futa kabino bo saka musala te. On se comprend le Rwanda. C'est-à-dire, bah, comment ta société va payer ça 70%? Et la blague, au moment où que, en dehors, il y a 70%, bah, ils vont payer ça en gros sous 5%. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris pour prétexte que, bah, l'ingi va tonganzela, ou eko outa manono, et kendati lubumbashi. Pour que les minerais commencent à sortir par la Zambie, aller en Tanzanie pour être exportés. Mm. Par contre, ce qu'on a dit dans la cartographie, au moment où Manono est dans la province de Tanganyika et chef lui dans le Kalemi. Dans le Kalemi, il y a un port sur le lac Tanganyika, justement, où il est en face de la Tanzanie. Et la société où on a communière est là quand la Zaïre éteint. C'est-à-dire que mon bout est déjà. Ils ont un barrage, ils ont un carré minier, ils ont un bilogue belé, ils ont un soko komi. J'ai tourné un documentaire que les gens pourront regarder sur notre chaîne de télévision Tchad TV, mais bien sûr aussi, pour que vous diffusez. C'est un documentaire d'une heure. Peut-être que tu as l'extrême aussi. Bon, on a n'engeni ni mboka et tekami. On a opposition ni les alliés entre la manière et la vie. Il y a bateau à Manono. Na richesse aux autres dans le monde, dans le monde entier, bazoluka. Alors, est-ce que vous vidéo vous a? Ok. Alors, on va suivre d'abord cette vidéo de 10 minutes environ. Alors, mais c'est vrai que vous savez que dans face à face, on ne le fait pas, mais je le fais exclusivement pour aujourd'hui, pour que bon monde, parce que parfois les propos sont moins éloquents que les images. Parfois, il faut voir par vous-même. Après, on va revenir pour comprendre les locaux. Mais avant tout le bango. Maïs, tu viens de dire quelque chose de fondamental. Les jeunes Congolais, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore réalisé, voilà, on n'a pas encore réalisé la catastrophe que nous avons connue dans l'histoire. Peut-être que nos enfants n'auront aucun respect pour nous. Je suis très convaincu que nos enfants n'auront aucun respect pour nous. Pas peut-être. Parce qu'on aura servi, on aura été la pire des générations qui puissent exister dans l'histoire, puisque nous avons, à l'ère de l'Internet, à l'ère de la technologie, on a fait un effort de ne pas connaître la catastrophe qu'il y a eu chez nous. Et nos enfants vont nous poser la question, comment nous sommes arrivés à applaudir, à défendre des gens qui nous ont appauvris. Je suis très convaincu que tu as la génération autre, tu as là-bas un abus, on va se taire. On ne pourra même pas dire un mot à ces jeunes gens. Parce qu'on aura livré, on aura donné à nos enfants un pays de beaucoup de questions, Le problème, c'est que nos enfants ne nous regarderont même pas ou on ne les regardera pas parce que nos enfants ne sont pas d'abord conscients. Si nous-mêmes, nous avons été inconscients de ces choses, pire encore, l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui, bakoué, baté, et le monde, un jour, va venir nous imposer sa loi, sous tutelle, parce que le monde est en train de regarder le Congo aujourd'hui comme la solution, parce que l'Afrique a toujours été prise comme le problème du monde. Il faut aider les Africains, il faut leur donner ceci. Mais aujourd'hui, l'Afrique se propose comme étant une solution mondiale au problème du réchauffement climatique. Et les chefs d'État l'avaient dit, on est un pays, pays solution. Pays solution, mais... Pays solution. En réalité... Mais c'est comme Bissot, ma Congolais. Bissot, ma politicien. Bissot, ma journaliste. Tu vas dire que tu as réunification à Wenge pendant que
mboka bazo pillé, mboka zo kende, minere zo kende, na ki bobola na biso te kende wotala, ouwe rason na zo robina. Professeur Kaman Alobi, na livre na ya, c'est un philosophe congolais, il est décédé, malheureusement. Alobi Congo, imbécilité collective, et na bloko misato. Abi et na musique, et na religion, et puis et na politique. Mais tant que nous avons lié dans les médias, ce sont les quatre canaux aujourd'hui vecteurs de l'immoralité, de l'endormissement, l'endoctrinement, l'abrutissement, je crois, collectif. Et moi, j'ai toujours dit que ça a été la politique rwandaise appliquée sur la démocratie congolaise. Nous avons chassé Mobutu en disant nous ne voulons plus de dictateurs, nous voulons la démocratie. Mais ce que nous avons appris, ce n'est pas de la démocratie, c'est ce que vous appelez, vous, l'imbécilité. Parce que quand un peuple n'est pas ordonné, quand un peuple ne sait pas respecter ses lois, tout le monde critique. Quand nous allons dans les émissions télévisées, au moins, on a battu nos oiseaux critiqués. J'ai suivi tout à l'heure une émission que vous avez au Niémo. Namoni, le sentiment qu'il avait, c'est de critiquer les efforts de l'État de droit. Abani, vous avez un article dans le français, belé. Mais vous comprenez que le problème n'est pas tout critiqué. Mais tant que vous critiquez chef de l'État, tant que vous critiquez État de droit, mais qui est-ce que vous avez assassiné? Ce n'est pas le chef de l'État. Il a gagné sa vie. Il a gagné sa vie. Il a gagné sa vie. Bien. Mais il a gagné. Il a vivre bien. Il a gagné. C'est là où le Congolais n'a pas encore pu comprendre qu'il faut que tout ça soit effort, il y a changement, il y a mentalité. Parce que nous devons commencer à nous occuper de notre pays. Moi, j'avais dit ceci. Au lieu que tout ça là-bas marche, marche pour soutenir X, Y, Z, marche. Mais est-ce que jour où vous soutenez parti politique, vous avez dit que ça sera une marche importante. Vous avez marché pour la DGSG Kamine à Longwa, parce que le rapport de l'IGF montre très bien qu'il y a des milliards qui sont sortis et que beaucoup de personnes, il y a des milliards, on est content à la caisse à l'État. Sauf que tout ça qui marche, bah, l'ongoli déjà à Jekamine, moto va gocha, à quoi que le peuple en a commis conscient, à quoi gérer Jekamine, malamo. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous sommes assis sur une manne et nous ne comprenons pas ce que c'est qu'un pays, une nation. Parce que je l'ai toujours dit, la nation est tributaire de trois fonctions. Il y a la terre, mabele ou bako batike la biso. Il y a la population et il y a la volonté de vivre ensemble. Et le Liboso rwandais, ça, dans la Katinabis, c'est un bébé, ça, bongo, et congolais. C'est-à-dire, Makambo, ils allaient important. Biso, tout le monde a importance. Pour la Biso, ils allaient Makambo, tout va n'a tout critiqué, chef de l'État. Mais Makambo, ils allaient Bozoba, Yangonde, dans le Bibouye. Je me suis posé une question. Si aujourd'hui, tout ça, appelle. Tout le monde est stade des martyrs. Montona moto ayana 10 dollars pour nato soutenir ma phare de la guerre bana on a est. Tout ça a combien de personnes? Té bat bal ba ke bana mbonté, ba futi mbonté, salaire réalité. Mais yo bi sa bon ki ba ya concert au moins ba 10 dollars na ba 15 dollars na ba moya. Ba ouya, ba musu ba ya boire à mbongo, mukile sa ni. C'est-à-dire nos cerveaux sont devenus promptes pour la distraction. Voilà. Pour la bêtise, on est disponible. Ouais. Mais quand il s'agit de réfléchir, comment tu peux accepter Maïs Tshibangu? Vous avez 200 chaînes de télévision. Et 200 chaînes de télévision, ils vont mettre en free. Et vous avez 200 chaînes de télévision, vous avez en moyenne 400 émissions politiques. Mais, ma chaîne, c'est une émission de développement. Bonne émission agriculture, bonne émission culture, bonne émission. Et l'autre côté, et tant que l'on émission politique, il faut voir maintenant quel est le contenu. Le contenu est l'émission politique. Il y aura failliste, tout le monde est là. Et ça va tourner. Moi, j'ai déjà reçu quelqu'un ici sur le plateau. Mais c'est bon, il faut te le blâmer. Il faut te le blâmer. Il y a politique, là, très bien. Bon, tout ça, là, est fort. Il y a autant que moi, tu sais qu'il dit, failliste, kabilité. Tu sais, il m'a dit quoi? Il m'a dit, bosco, tout le blâmer. Ah, voilà. Alors je me dis, mais ça, c'est pas possible. Parce que pour nous, la politique... C'est ça, c'est le nom des gens. C'est de dire, « Nenge zaboe, biso tomoni, fatia sali rien. Nenge zaboe, biso tomoni, fatia asali rien, nini. Yo, au proposé, ye, nini. » C'est comme ça que nous, les journalistes d'investigation, nous faisons des efforts. Pour nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit tous en a ba richesse et c'est ici que tout l'amour quand on comprend que nous pouvons faire un contrepoids. Aujourd'hui le gouvernement a besoin de nous hein.
Ça, les gens ne savent pas. Le chef de l'État a besoin de sa population. Parce que bato ba yaki kala ba kondi wana ba tekaki. Si ko kontra wana, o biso to signa, o RDC signa, to longu langu ndengeni ni po to ko mape producteur a batterie. Et c'est là qu'il faut réfléchir sur la question. Mais comment vous allez le faire avec des émissions politiques? Naibi que yo pose à juriste. Je pense que quand nous aurons vu le documentaire, au moins que même Nasuka documentaire, on a aussi un abattement qui est la chaîne Nabi sur YouTube, chat, télévision, bah, vous aurez un Mobimba. J'espère que Bino peut vous diffuser. Si, si, on va le faire. Pour que Ndeko Balanda va comprendre que, au moins une minute, on est tout ça. Ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait, c'est de nous donner la possibilité de devenir un grand pays dans l'Afrique. Mais est-ce que nous, Congolais, nous voulons devenir grands? On va regarder la vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour. L'enquête d'aujourd'hui va nous emmener dans une petite ville de la République démocratique du Congo. Nous irons avec vous dans le Manono. C'est une ville située à peu près 650 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Bienvenue à Manono. Au cours de notre enquête, nous allons particulièrement nous intéresser à une entreprise nommée Cominière, une entreprise du portefeuille de l'État. Mais avant, essayons de savoir, la Cominière, c'est quoi? La Cominière a été créée en 2010, le 12 avril 2010. C'était pour réactiver les activités au niveau de Manono. Comme vous le savez, Manono, c'était un pôle économique, comme Lubumbashi, parce qu'il y avait une grande société depuis l'époque belge qui s'appelait Géomine. Cette société exploitait de la cassitérite. Est-ce que la partie nord du Katanga, du Grand Katanga, c'est la partie sur le plan minéralisation, c'est la partie stanifère. Le sud, c'est le cuivre cobalt. Alors, la société dont je viens de parler à l'époque belge, qui s'appelait Géomine, exploitait la cassitérite et ses accompagnateurs. Quand je parle des accompagnateurs, c'est notamment le colombo-tantalite, dans le langage courant, c'est coltan, et d'autres minéraux. Maintenant, on parle beaucoup plus de lithium, qui est toujours à Manono, parce que à l'époque, ça n'avait pas de valeur économique, parce qu'il n'y avait pas d'application technique. C'est maintenant, avec l'évolution de la technologie, que ça a pris de l'importance. Alors, tout le monde se focalise maintenant sur ce produit-là. L'histoire que nous allons vous raconter au cours de cette enquête est une histoire qui met aux prises trois entreprises, ou quatre, voulais-je dire. La Cominière signe avec une société dénommée Datomir une joint venture, dans laquelle la Cominière va céder 70% et elle va garder 30%. Quelques mois seulement après, nous allons constater que Datomir, qui venait de signer avec la Cominière, va céder 60% de ses parts à une nouvelle entreprise nommée AVZ. Il faudra noter au départ que l'entreprise Cominière était en contrat avec une entreprise dénommée MMCS sur le permis d'exploitation 12-202. Après la rupture de leur contrat, donc du contrat entre la Cominière et MMCS, le permis d'exploitation 12-202 va déchoir. Et il va donner lieu à deux permis de recherche. Le permis 13-689 pour les rejets et le permis 13-359
pour l'exploitation minière. Il faut noter en passant que la société qui a été créée entre l'État congolais à travers la société Cominière évidemment, et Datomir s'appelait Datcom. Datcom, c'est la société commune que Cominière avait créée en son temps, je crois que c'était en 2016. Le date là, c'est Datomir. Datomir. Comme c'est Cominière. Nous avons pris les initiales, hein, date, et puis ça a créé Datcom. Donc c'est une JV qu'on a créée avec Datomir. Et dans ces JV, pour développer le périmètre de Manono, le 13359, riche en lithium, et nous avons commencé à deux. Datomir avait 70% et Cominière 30% dans le capital social. Alors, Datomir s'était retrouvé sans moyens. Comme vous savez, quand ils viennent, c'est pour maintenant chercher comment lever le fonds à gauche, à droite. Ils nous ont amenés à AVZ. AVZ, dans un premier temps, c'était l'AVZ qui devrait financer le projet de Manono Kitotolo. Et par après, ils se sont convenus avec Datomir pour acheter 60%. Il y a des PV là-dessus pour ces transactions-là. Cominière, comme c'est une société de l'État, et nous avons soumis ce cas à l'État congolais, que voilà, notre partenaire Datomir cherche à vendre ses actions, 60% à AVZ, AVZ qui est une société cotée en bourse en Australie. La transaction était passée, les documents sont là aussi. Il a acquis 60%. Maintenant, avec cette mutation, la configuration du capital social se présente comme suit. AVZ 60%, Cominière 30% et Datomir 10%. Vous avez donc compris la première partie de notre histoire. Nous avons une entreprise de l'État, la Cominière, qui signe avec Datomir. Elle cède 70% de ses parts et Datomir, à son tour, va signer avec l'entreprise en janvier 2017, cédant 60%. Et il ne faudra pas oublier en passant qu'à la création de l'entreprise Datcom, les deux actionnaires avaient décidé de donner le PR 13359 pour l'exploitation minière. Je voudrais vous révéler quelque chose. Le premier point. Dans toutes ces signatures, l'entreprise congolaise n'a obtenu rien. Zéro dollar. Simplement. Mais à la signature du contrat entre Datomir et AVZ, AVZ paye à Datomir 500 000 dollars australiens. Et l'État congolais et l'entreprise du portefeuille congolais n'a toujours rien. Il faudra relever une chose. La Cominière, entreprise du portefeuille de l'État, a consenti à signer des contrats avec des sociétés australiennes sur des promesses. Dans le cadre de l'exécution de ses obligations au titre de contrat de joint venture, Cominière SA entend céder à Datcom Mining SA par voie de cession définitive et irrévocable à le permis de recherche et toutes les données et informations géologiques et minières disponibles afin de permettre la réalisation de l'objet du présent contrat. Et B, n'importe lequel des permis de recherche additionnels à la demande de Datcom Mining SA et toutes les données géologiques et minières disponibles. Et de l'autre côté, dans le cadre de l'exécution de leurs obligations au titre de contrat de joint venture, AVZ Minéral et Datomir SARL entendaient investir les moyens financiers nécessaires afin de permettre à Datcom de réaliser les travaux de recherche et d'exploitation minière dans leur intérêt commun conformément aux termes du contrat de joint venture. Nous constatons que dans le contrat signé par la Cominière, les deux partenaires qui sont Datomir et AVZ n'apportent rien. Mais par contre, elles apportent des promesses. Les promesses de lever des fonds pour l'exploitation des mines.
Il faudra dire aussi que AVZ va promettre de construire les infrastructures, mais aussi de prendre en charge la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation. Expliquez-moi ça. Parce que ça, là, parfois, c'est... Oui. Si vous sortez un documentaire au Tina Souga, elle voit un film Titanic, folé là. C'est-à-dire, au moment où il y a que non, nous avons des personnes qui nous gèrent, ils ne gèrent pas un pays comme on gère un pays, mais ils gèrent un pays comme on gérerait boutique naïe mongo quelconque. Vous pouvez vous imaginer pour un si gros contrat, on fait signer à la société cominière pour 0 $. Ça veut dire mon délaïe. Alobi, n'est aller à tous à côté en bourse. Bopé Sabiso 70%. Nous allons aller tokende ko luka mbongo pour que toya ko construire usine, c'est-à-dire to construire usine pour na traitement ya lithium. Bakonzi na biso dont le ministre des mines de l'époque monsieur Kabouelulu autorise à la société cominière ba céder 70%. Mais le collaboratoire ou Adatomir, je pense que vous avez suivi le DG. Il dit il n'avait pas d'argent. Comment pouvez-vous céder 70% de votre société, de votre capital, à une société qui n'a pas d'argent? Qu'on nous explique comment les choses se passent. C'est-à-dire que nous sommes côté en bourse, nous sommes côté en bourse, donc nous devons faire fond. Et puis, Nenge toza boye biso to na mbongo te to memeli bino AVZ nde moto bazali na mbongo to tekeli bango 60%. C'est une joint venture comme na 3 sociétés. C'est-à-dire société ya Congo ou ya biso ou batikali kaka na 20% na 20% na 25% jusque là na boye biso sugo na kuali solo batek 10% et comme ya comment on appelle. Il y a Datomir pour Atekeli AVZ. Donc il y a Atekeli AVZ de logo ya ngote. Et logo ya sombité na mbongo. Ya sombité na mbongo. D'accord. Bakabela e bango, logo la mbongo ya bango, héritage ya tata na bango Atekeli bango batama nono bazo bateki. Siko na minute onde to vandi bo tunanga nini. Eza na société moko na lina koma nono na suka pour okay, allez-y. Na katika tipo batama comprendre. Il y a une société chinoise qui arrive. Société chinoise a sengi Congo à travers la cominière parce que Nakatiwana, je dois dire que ce contrat s'est lié 5 ans. Pendant que AVZ a zoa contrat wana, c'est-à-dire pendant 5 ans, ça lié et l'autre côté. Et dans le documentaire, c'est montré, tu mets maintenant tout comme non, bon, moni, pena, nabanzela, ma boulou et l'autre côté. Mais ils ont eu 5% pour construire la route qui irait de Lubumbashi jusqu'à Manon. 5%. Or, la construction Nzela, c'est une charge fixe, c'est-à-dire dont on connaît le montant. Il est levé à peu près à quelques 20 millions de dollars. Mais biso to pesi bango 5% par ya capital. Oh bon, on a roulé des années en années. C'est-à-dire, banana biso, bako futa nyongo, ya Nzela mo oyo, biso, oyo bango ba sale la te, oyo Congo, ba défisa, si tu rouses le bango, nengona. Bon, à peu près 200 millions. Non, d'abord, il faut te comprendre. On va vous éternellement. Ça veut dire que même à ta soeur, il y a des bon, on vous foutra un peu de temps. C'est ça, les déjà. Donc, même ceux qui ont 280 millions, n'ont pas intérêt à faire un peu de temps. Ils ont un peu de. Voilà comment les autorités négocient. Si vous avez un peu de temps, vous n'avez pas de sombi. Vous avez un peu de temps. Vous n'avez pas de lever le fond. Deuxième fois. Ok. Non, Datomir a sombi. C'est la même chose. Akeli a bien relevé ma fond. Azongi. Tango AVZ ba kena relevé ma fond. Ba tu ya Congo, ba représentant na biso bazalagate. Ba yebite AVZ a zo mbongo combien na poto? Mbongo ba pesa AVZ kuna na bourse na bango wana. Asalaka na ngoni ni Congo e yebite. Mais logo biso to yebi, mbongo wana eza nyongo o ba pesi Congo, o Congo segeli sa nini? Afuta. Mais est-ce que vous imaginez ces choses-là? Mais parce que nous sommes dirigés par des gens qui n'aiment pas le pays.
Et bateau, bah, autant en bas, comme on a, bah, ça va couffater, bah, ça va vivant. Bané, bah, ça les gens. Mais, au lieu qui vient déjà l'obligé, nous avons demandé l'autorisation au ministre parce que société, comme il y a une société à portefeuille, il y a l'État. Vous comprenez, hein? Monsieur Kaboïloulou, à ce qu'il paraît, a fait la pression na DG, il y a Kouminière, il y a époque, parce que celui-ci, il est DG intérimaire, pour que a signé contrat na Bongo. Na caisse, il y a l'État, Mbongo et Kotite, mais Bango, bazo a Mbongo. Ce que l'on dit, na ina se kisayo, Mikolo ne tozo lo baboué. Il y a une société chinoise qui arrive, qui s'appelle Xinjin. Le coup là, lithium, et Mati, maintenant, c'est pas qu'on a lithium. Xinjin a approché Kouminière sur l'État. Bon, tu as 25%, bon. Binobo teke la biso 15%. Biso peto kota na katia actionnariat. Oebi ba teke 15% na combien? Combien? 33 400 000 dollars américains. Non. C'est-à-dire que, je vais t'expliquer maintenant pour nous comprendre bien. Na époque, Yamabouina, na batunaye, ba teka 75% pour na et l'autre côté. Mais quand Fati vient, il constate le dossier, il emmène des partenaires, il demande de discuter dans le ministère, bah, Salib a calculé, il y a 15%, il dit, 33 400 000. Bon, on souris 70%, on a tout été dans le modèle Wana. Tout le monde qui te voit, combien? Déjà que 33 millions, ce n'est pas grand-chose, mais comparé à un vide, comparé à 70% qui sont partis pour rien, bon, c'est vrai qu'il y a un calcul de pénalité. Donc, tout au 15%, 33 millions, tout maximum, on a 70%. Tu multiplies par 2 plus 10, donc tu as à peu près 60 et quelques millions. Mais maintenant, je vais te surprendre, M. Bossembe. Les 33 millions sont donnés en fonction de quoi? En fonction des études de faisabilité qui ont été faites sur la mine, sur le permis de recherche, 13359. Et puis, permis de recherche en Basali. Ndambo. On comprend parce que tant que pour le bateau, il m'a minté, il m'a permis de recherche, société, il recherche pour évaluer quantité, la qualité, il m'a mine, il m'a belé, il m'a valeur réelle, il y a mine. Mais il m'a ndambo à peu près 15%, et bien c'est déjà 33 millions. Zinjin à l'aki, jour de Kozoa, bah étude, il y a permis de recherche, on a Mobimba, paix évaluation, il y a un coûté, Tokoba qui s'est labino, Mbongo. Parce que 33 millions ont été évalués par rapport à Kaka, n'a moins parti à Moukio Basari la recherche. Si Koyo, Zinjin, contrat signé Balobi Boué, Tokotonga usine à batterie, paix, Tokosa la parc industriel, Nakasumbalesa. De manière à ce que le Congo, Soki, vous avez besoin d'exporter vos minerais, et Kobimassou na Congo de manière brute. C'est-à-dire le minerai sera transformé au Congo à Kasumbalesa et exporter des produits finis. Mais le problème, la personne qui n'a rien payé à VZ bloque l'entrée de Zinjin dans l'actionnariat. Côté ce qu'on a dit, il y a des Congolais vendus en AVZ. AVZ. Parce que on est ce qu'on va actionnaire majoritaire. Pour l'argent qu'ils n'ont pas donné. Est-ce que Balabala on a battu déjà? Il y a un abus de négocier la documentaire, on a Balabala. Tant qu'on a ça, manono, biso tobika qui peut te faire marier dans les boulots. Plus de 30 camions qui ont été un mois, deux mois, dans une situation désastreuse. Mais depuis, il y a à peu près 30 camions qui ont été un mois. C'est-à-dire que nous avons ils ont construit à peu près 10 km de route aux alentours de la Bunkea. Ça, et pourquoi? C'est-à-dire. Si Pesa Bango déjà 5%, dans le documentaire, j'ai montré le contrat. Contrat signé, Pesa Bango déjà 5% en capital. Si on va promettre, on va relever à peu près, je pense, c'est une route qui doit valoir à peu près 28 millions de dollars. Mais si les lots, Batongan Zelaté. Déjà combien de kilomètres 650. Au nord, Batouya, soit Katakatanga. Et puis, il y a qui peut placer Mitouka. C'est-à-dire, au moins, il y a Mitouka, parce que Mitouka, c'est Koufa, et là, il y a Moussa, 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 il y a
Le problème qu'a le Congo aujourd'hui, nous sommes en phase de vouloir faire redémarrer la cominière. Mais le problème, c'est que AVZ bloque. Mais AVZ va bloquer. Je voudrais qu'on comprenne. Oui. Qu'on comprenne. Nani Azali Sima AVZ pour appeler pouvoir ou bloquer. Nani Azali Sima AVZ Mabouina. J'espère que c'est ce baby Mabouina. Leki ya Mabouina ou Azalaga gouverneur ya Tanganyika. Bien que Bazas soit en pouvoir, mais il va exercer pression. Mais Bango n'a signé un contrat. Contrat tant que va signer, je suppose que na entente na Bango na AVZ, Bazas si on a quatre actionnariats, il y a AVZ. Parce que AVZ a un contrat signé. On se comprend le Rwanda. Mm. Et puis il y a des ministres, Siko et Obazali, on apporte les lots, qui étaient des avocats, il y a famille, il y a Mabouina, qui font la pression. Aujourd'hui, le Congo ne sait pas se retrouver. Zinjin ne sait pas entrer dans l'actionnariat. Parce que, je vais expliquer ceci. Il y a une venture en Ndengwana. Ils ont rendu une pour la boteka, par action. C'est-à-dire, le roi Bosa, partenaire rebellé, beaucoup annoncé dans nous intention d'abino n'a partenaire pour n'avoir pas ce qui n'a qu'à partenaire et ça est un partenaire moko t'a un bon roi européen sabino donc il doit proposer un prix égal ou supérieur cominière à sala à comme la partenaire naï ça veut dire AVZ non la minute au 15% pour bana bo signer contrat pour saler l'autre biso to zui société moko baye bazo futa biso mbongo. Et puis, il va promettre à Bissobaro, ton abilogo, contrat signé, ce qui n'existe pas chez vous. Nani, AVZ a boi, à l'obi, bangouban en bon côté. Et puis, tant que l'obi, bangouban en bon côté, Bazeli, c'est-à-dire, ils ont fait prévaloir ce qu'on appelle le droit de préemption. Le droit de préemption, ce qui est normal. Voilà. Ils font valoir leur droit de préemption, mais le droit de préemption ne peut durer que 40 jours. Au bout de 40 jours, il a été constaté la mauvaise volonté de AVZ de ne pas signer et même de ne pas racheter. Le ministre a autorisé à ce que la cominière vende ses 15%. Mais depuis que Zinjin signe, aujourd'hui AVZ refuse d'organiser un conseil d'administration pour refaire les statuts. Bakotisa Zinjin Nakati, il y a JVOAN. Mais quel est le moyen? Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour contraindre AVG à signer AVZ. AVZ, pardon. Ce qu'il faut, de un, je pense que tous les contrats sont révisitables. Parce que déjà, le contrat tel qu'il a été signé, n'a pas été signé, il y a un négatif qui va aller en boucate. Il y a un pot na bango moko. Ce contrat doit être visité, revisité, même si on a un bino juriste congolais, babo sembe, ba nego azala ki a onyemba oyo. Bokanisana no bino bato boye makambo a droit. Et là, on y te ça pour tout le monde a boulon d'étranglement. Parce que l'État congolais, je veux dire, à travers la société communière, a déjà perçu l'argent. Tu comprends? Et Zinjin doit entrer dans l'actionnariat pour permettre à ce que usine ou en a batterie, babanda déjà au salaire, babanda exploitation et mine, ou ya lithium, ya manono, basil il s'appelle étude de faisabilité au banan, ça pour que tu aies, quelle est la valeur des ressources au bisoutoanango. Parce que moni tant otoyebi que permis wana valeur n'angoza par exemple 10 milliards. Ça vous permet de comme de faire des investissements. Si le 10 milliards pour 5 milliards pour ça évaluer ça koyebana. Si ko bato ba bloquer l'état congolais. AVZ. Et je vais te faire rire. Madame la ministre Yamine Oyo actuelle a signé le bango permis d'exploitation. Pendant que tu as communié, tu as dit que maman, étude à faisabilité, tu as dit que AVZ, information belle, tu as dit que tu as dit le kouta. Tu as dit 280 millions, je n'ai vraiment pas le chiffre, je l'ai dit dans le. Les amis téléspectateurs, tu as tenu la rigueur. Mais dans le documentaire, j'ai donné le chiffre réel. Je pense que tu as 280 000. C'est-à-dire que tu as dit que parce qu'il n'y a rien. Et puis, tu as dit que tu as dit qu'il n'y a rien. Non, tu as ministre. Si ba surfacturé ba sous-traitants ils ont surfacturé et ça rend bien nini lokola cominière azali représentant à l'état congolais dans le dossier et sengeli tango AVZ ba sali étude à faisabilité ba ya nangona cominière pour que cominière appelle ça avis favorable après contre-expertise parce que bino moza parti au bozuit boye bo sali expertise na bino il faut pour pe sa biso pe possibilité to
faut vérifier ce qui va information bino bo tchina kat étude de faisabilité est ali réel. Communaire a tel est réel te ba comme les ministres que bateau ba ko si l'état. Mais ministre na yebité en tout cas ba yebi sa kinga que ministre ali imbon. Ben on se maman na ministre. Vous confirmez té. Na lobi boye. En tout cas muto ebi sa nga ko sangate. So bo pesa nga 2 semaines. Pour nous, c'est un coup de ministre. Nous madame la ministre de Koutana. Jusque-là, à l'ingité. Ça veut dire que d'ici une semaine, nous avons madame la ministre. Nous avons un combo. Il y a un combo. Il y a un combo. Il y a madame la ministre. Kuna, bon, le quoi, madame. Le quoi, madame la ministre, à l'ingité. Il faut que nous ayons l'ingité, c'est Gilles, pour que vous ayez un bon. Et ça, il y a un peu de pessinga. Mais, on m'a dit que. Avant passage nanga IGF baleka kikuna et IGF basaki bango ba recommandation mais ministre évidemment arrêté na ego bima après passage à IGF. Je pense d'ailleurs que c'est la démarche que nous allons faire. Madame la ministre, je l'ai dit dans le documentaire, a expliqué biso de quel droit pour bâtir ministre ya mine to pour biso to banana ye nde ya ke ko signer le bateau on a permis d'exploitation de quel droit parce que d'abord ba répondre na contrat na bangote na makambo o ba yokana ki na kominière il y a que ko signer le bango po soit disant ba na musala pendant que nous avons découvert ensuite que au fait ti société nezo ba ke baza côté en bourse baza côté en bourse po na Congo c'est dire que avant Congo bazo marché ya bongote non ba ko ça quand même pour débuter kené na le bisi ba tuno surtout bo kené na internet. Vous mettez AVZ dans Google, vous mettez www.avzsouris.com, vous mettez souhaité AVZ. Le seul renseignement qu'on a, c'est par rapport au projet, il y a qui totale. Pourquoi je voudrais que vous passiez à l'exercice. Si vous n'avez pas collaboré, il faut y passer dans là. Est-ce que j'ai des actifs? Est-ce que j'ai des passifs? Est-ce que j'ai des passifs? Pour notre compte, il y a traitement. Je crois que bateau va signer le Congo, le contrat, wana. Batalaka historique, il y a AVZT. Est-ce que tel à qui bango même? Voilà. Est-ce que, mais qu'est-ce que nous perdons hein? Qu'est-ce que, ce que nous perdons, nous perdons un, quoi exactement? Ce que nous avec perdons, ça? Un, c'est-à-dire que, un, Yaliboso, nous avons perdu sur le fait que, Tolaki, c'est dans le monde entier que nous ne sommes pas sérieux. Comment nous pouvons aller signer avec des spéculateurs pendant qu'il y a des vrais patrons, des vraies entreprises qui ont l'argent, qui peuvent mettre l'argent sur la table pour nous développer? Parce que AVZ, selon ce que nous avons appris, c'est une entreprise spéculatrice. C'est-à-dire, bah, Kendaka, na minute au sol, Kenasid, na bon, bah, oui, bah, bazana, 75% des parts, Nakatia, jeune venture, on a. Pendant que, Datomir, oh, bah, signakanaye, Datomir, a tegelaye, 60%. Mais, bazo, se faire prévaloir dans 75%. Bazo, qu'on a même, bah, tokou dans la bourse. Voilà pourquoi même les journalistes doivent nous aider. Parce que, Sengeli, tolo, bah, moukile, yoka. Même au niveau d'Australie, où on a photo de l'image, on va comprendre que Batouana Baza, Baye, Koko, ça n'est Congo. Ce que nous perdons, c'est que nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent. Ça fait 5 ans que ce contrat a été signé et ça fait 5 ans que rien n'a été fait à Manono. J'ai mis les témoignages dans le documentaire. Il y a Société Civile à Manono. C'est une société dont le Tanganyika qui a été attendu que Baya Gobi qui s'abattait à Tanganyika. Pourquoi? À cause des emplois. À cause de la valeur ajoutée au Bambali Baba Kisa, na sous-sol Nabiso, parce qu'aujourd'hui, minerai Nabiso, c'est-à-dire toute la richesse mongo potentielle. Mais nous devons entrer maintenant dans l'effectivité à richesse Wana, topé ça va transporter Nabiso, va marcher, pour que Senga. D'ailleurs, Nabo Segisayo, Batoya Manon va expliquer Biso Lenin. À l'époque, société Wana, ils ont souhaité mourir Botamisika, ils ont déjà à l'époque belge. Bazalaki nanzela oyo banaye ko uta manono ezoke na mbala moko kalemi ozo comprendre pour que minerai katsa Dar es Salaam ezala exporter mais a balingi batia yango na nzela ya Lubumbashi po tata na biso na ya pembe ya Lubumbashi oyo aboma SNCC oyo biet papa na biso moto zakana za pembe boye o balbara pe o mambo baswana na mina. Et Peter Chan, il m'a dit, bon, non, des pères et des mères, est-ce qu'on a dit, non, il y a des pères et des mères. Peter Chan, il est Noël Chan. Noël Chan. Peter Chan, il est. Et autant que Noël Chan, il m'a dit, des pères et des mères, il y a Siliki. 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 Il y a Siliki.
Parce que ça a mis tout. On a deux ou trois sociétés, ça a transport, il y a trac. Bah, mais tout quoi, miner, on est même à minerai. À l'époque, SNCC, Motobane, ou même, bah, minerai, nous sommes, bah, nous sommes au Congo, et au Malibanda à travers le chemin de fer. Bah, boma SNCC, bah, boma chemin de fer pour nous faire valoir. Bah, quand on est allé à la Gitsa, au Monaono, toi, on a zoté, mais Motobane, on a sali, on a eu ce qui est gâté, à Tchézo, à Tchéba avion, bilan, on a eu ce qui est mort, on a Kakaboui. C'est des aberrations impossibles. C'est-à-dire, tata, on a s'organisé ce qu'on a battu AVZ. Au lieu que minerai et kena, kalemi malamoko, ba coopérer, ba salanzela, et comme à l'oubouma, si poye, a utilisé ma traque naye, et même à la minerai, na bango ba zoambon. Après l'objet, on va finir à Fati, après l'objet, il ne fait rien. Mais si aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir qu'à la GKM, il y a des vols qui s'opèrent, c'est parce que l'IGF fait son travail. Et l'IGF, Batoazo Kanisake, Eza et Botama Lelo, IGF et Botama Lelo, Teza Yakala, Fatin n'a pas si baronini, valeur. Souki le loto yoye baki, Bateka déjà lithium nabiso. C'est grâce à Fati. Parce qu'avant, il y a ce que je veux dire. Parce que de toute façon, on n'allait pas savoir ça. Tu n'as pas été, Banga va zapper par Bagoyi, Bagande Bagoyi, Banape par Bakéit. Donc aujourd'hui, les Congolais, nous devons nous prendre en charge. Mouzé a dit. Prenez-vous en charge. Ce que moi j'ai toujours demandé aux jeunes, arrêtons d'être des fanatiques. Parce que nous sommes en train de mourir. La Bible dit dans le livre d'Amos, mon peuple périt faute de connaissance. Toye kola koye kola. Tolinga connaissance, tolinga mboka na biso, tolinga koyeba, elo konini mboka na biso za nango. Pour le lobo se meso ko télé mioke ma non non. O sololi, o zape mo par na yo. Au comité millionnaire, autant que Fatia Wanego, je vais créer des millionnaires. Yango wana abanaye kukanisa. Mais, ba prison break, yabana mayo ba outi, na pouvoir ou ba tchaba kalo, ça veut dire que, et souri to bundite, et mbogue ou koufa. Alors, mais c'est quoi la solution pour terminer? Solution egozaneti nini, à quelle dimension? Est-ce un réveil à la population? Est-ce un réveil politique? Est-ce une cassure carrément, yaba contrat wana? Qu'est-ce qu'il faut évidemment faire? La problématique aujourd'hui, c'est que les contrats pour être cassés demandent certaines normes. Si, il y a beaucoup de procédures, c'est vrai. Et puis, il faut bizarre, je te dis. Baro signe un contrat d'entreprise, mais lobby déjà dans le contrat, que ceux qui sont bébani, instance, il y a Liban, tu peux imaginer déjà un truc pareil. C'est-à-dire, vous êtes déjà dans des millions de dollars de pertes. Et ça, ils l'ont fait plusieurs fois. C'est-à-dire, ce que tu as dit, contraire, belé au Congo signa, Congo signa à perte. Pour nous, nous avons vendu à Belé. Tu es battu à 6 ans, tu as signé, tu as dit, pas de problème, mais ce que tu as dit, tu as condamné à entendre Bissot. Mais la minute. Et la juge à Libanda. Mais la minute, c'est vrai ce que tu dis, annoncé, nous avons un tribunal de Paris. Ben, c'est comme ça que ça se fait. On comprend, un tribunal de Paris, d'Atomir, AVZ et Comini, un tribunal à Paris. C'est comme ça. Tribunal à Paris a tranché. On se comprend. D'ailleurs, on a vu que AVZ a trafiqué qui, document à niveau à guichet unique, pour Akene ou Laksana Bourse, qui a 75%. Tu comprends? C'est-à-dire, Batouana ou Bapessa ou Bakontrana, Bazana, Bintérin, Bango. Aujourd'hui, le chef de l'État doit faire des efforts. Et c'est pour ça que moi, je demande toujours au peuple, soutenons le chef de l'État. Pourquoi? Je le dis et je ne cesserai jamais de le dire. Que les Congolais qui me suivent sachent. Ogoza Mota Moïse Katumbi, Ogoza Mota Mabouina, Ogoza Mota Nouvelle Élan, Souli, Komone Sunani, Ogoza Mota Jean-Pierre Bemba. Natan O Mota Mokunzambi, M. Zafati. Nous devons le soutenir parce que s'il échoue, le Congo échoue. Nous allons perdre 5 ans comme nous avons perdu 18 ans de Kobosembe. C'est grave. Batterie Lelo, na monde, et Ali, important. Congo et Sengelito, une usine, il y a fabrication de batterie électrique. Et Sengelito gagne le combat. Toujours, c'est un abandon, on a vu ce bino, un juriste. Tout compte à Makambo. Toujours, c'est un presse congolaise. Tout compte à Makambo. Tout dénoncé parce que c'est des contrats qui ont été signés de manière. Je ne sais pas si je peux dire fallacieuse. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que bah, signer un contrat sans tenir compte des intérêts de la population. Très bien. Mais alors, il faut maintenant, avant de terminer, il y a un élément, je ne sais pas si je dois le poser ou pas, parce qu'après, sur la position, il y a un sujet, sur l'actualité, et je suis en train de réfléchir. D'abord, est-ce qu'on a tout fini dans la communière? Je veux d'abord me rassurer qu'on a tout fini. Pour notre 600. Il y a le loté. Et vous avez besoin de 4 émissions. Parce qu'il y en a un mingi.
on a l'obité. Au Batamano, mais je voudrais encore demander à Bandeko Nabiso, s'il vous plaît, vous qui n'achetez Nabiso chat télévision sur internet, vous l'avez documentaire, vous allez apprendre beaucoup sur votre pays. Okay. Et vous savez, Nabiso, bah Congolais, tout sangana, bah avocat, bah maître, bah journaliste, tout ça, ma télé. Parce que ceux qui, un, par exemple, contrat, il y a AVZ de Koué, tu récupérer bah pourcentage Nabiso, tu as besoin d'un bon rebelle. Ceux qui te salient, bah étude de faisabilité totale. La RDC peut aujourd'hui augmenter son budget du double. C'est très important pour l'avenir Nabiso, pour l'avenir Ebana na Nabiso, que les Congolais soient en train de se faire, to linga yango pe, to banda ko bunda pour l'avenir Nabiso. Et non pour les hommes politiques. Et ça, c'est très bien. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là aujourd'hui. Pour la société communière, c'est vrai que ça, c'est très énervant, c'est très révoltant de voir, et là, vous avez très bien fait le reportage, parce qu'on voit, et là, dès que tu parles seul, on voit les gens des communières. Et ce n'est pas comme si tu rapportais les faits. Là, les hommes sont en train de parler. Parce que ceux qui ont rapporté les faits, on va les déformer, et ainsi de suite. Là, nous voyons les gens des communières qui expliquent. Par quel intérêt? Il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire à l'université pour comprendre que Moïbi est le maquia, Manega est le maquia. Comment tu peux accorder un contrat de 100 ans à une entreprise minière, à Yanambo Kanabino, même de 70 ans? Soyons sérieux. Ça veut dire que vous préparez les lits pour les autres. Ça veut dire que vous avez signé un contrat pour Koufa, mais Donc, ça dit que vous faites un travail pour les autres. Tout ça parce que vous voulez avoir l'argent. Ik et nouk. C'est-à-dire ici et maintenant. Mais puis après, c'est comme très compliqué. Et bizarrement, ces genres de contrats maïs, ils s'entendent. Il y a eu Bino Bokantaki, l'État joue le côté. Effectivement, l'État joue le côté. Mais Bango Bazu est loco. Puisque tout ce qui va être fait là-bas, ils auront leur part. Donc, et puis d'ailleurs, eux, ils ne seront pas dans les tribunaux. Bon, ça n'a pas cause des tribunaux. Tant de Betamantolo à Paris, il n'est pas là. Lui, il a déjà sa part dans Mambo. Et maintenant, c'est le Congo qui s'ouvre. Oui, et puis. Maintenant, c'est le gouvernement. Maintenant, c'est. Et puis, quand les autres ministres qui viennent, même avec l'actuel président, les autres ministres, quand ils viendront, ils vont prendre leur parti. Bon, la personne qui va être la plus désespérée, c'est le président. Si puisque... quoi, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau. Le résultat, il y a un bateau, il y a un bateau. Il y a un bateau, il y a un bateau. Il y a un bateau, 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 il y a 7 niveaux. Il y a 9 mois déjà. Il y a 2 ans, il y a une garantie. Mais il y a un peu moins anticipatif. Mais ce que je veux dire, c'est que peinture. Au moins, au total, c'est ça qu'on a un communier. Mais la société est belle au moins que mon basibalia, ma kabola. Pe bazan amboko, baza pe batma ou vivre, ba ou tam la pena, vina évite, ba vivarande. Voilà, tam se goza ki, et zaki si. Pour moutou na normal bouyi. O te kamboka na niveau ma bouina, na bande ou ne ba te kimboka. Il faut, je sais pas, il faut être sorcier. Alors, je voudrais que tu puisses nous dire. J'ai fait une émission il y a quelques mois. Mon période au bas de ma élève, Ake ko ebisa ministre Tony Mwaba a fouta mbongo pour ayembela bananzimi. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour lui parler. Na bato na union surtout ba soutenir ba yokangaï. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que un homme comme Wera ayoko sa la bananzimi nini pour bana batika mobulu ba nokota classe? Quel genre de chanson, na mélodie, na texte? Oh mais c'est un musicien. Il a fait déjà, il y a Aimé la Croix-Rouge, Aimba, enfant rentré à l'école, Aimba Nzembo, Izimba. Tozo Nzembo, il y a Izipa. Monsieur Bossembe, je suis très à l'aise de répondre à la question posée à Montana Maëlle. Olanda clip, il y a rentrant à l'école, où est-ce là, Izipa. Tu n'as pas vu des enfants en bleu-blanc, assis sur des bancs, avec Baféré, Babindo, Babakanga, Basuki, Nabilo, Mabatoui.
très mal habillé. Vous avez vu ce clip ou vous n'avez pas vu ce clip? Mais très mal habillé, c'est un jugement des valeurs, puisque aux États-Unis, il y a des enfants qui vont avec les locks à l'école. Est-ce que c'est un... Je n'aimerais pas toquer les namas comme mon culturel. Il y a beaucoup d'enfants dans l'Afrique du Sud, lui, qu'il y a des enfants qui peuvent aller dans la locks. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais toquer les namas valeurs mon culturel, parce que nous, les Africains, nous avons notre culture. Mais quand on parle de la psychologie de l'enfant, l'enfant vit par instinct d'imitation. Oui. Ça, c'est en pédagogie. Vous comprenez le wana? Et le wana azo mona, auprès de la personne au moins azo considéré comme modèle, mwana go mona yango logo mouro malamu, oye segile asanini, a imité. Ce que mwana na yo, bosembe, il faut abanda go imité ou er an affaire, pour akoma nani na vie. Ben, si les musiciens, ils deviendront musiciens, maïs. Il deviendra quel genre de musicien? Si mes colis, mais ils n'ont pas chanté que ça, Maïs. Ils n'ont pas chanté je que ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand on parle d'un éducateur des masses, ça devient quelque chose d'autre. Parce que le rôle que Roer a voulu jouer dans cette chanson, c'est qu'il voulait être éducateur des masses, éducateur de nos enfants. Est-ce que moi, Maïs, je peux tolérer que dans ce pays, mon fils, ma fille, prenne Roer comme modèle? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est parmi les musiciens au Nazarana en relation Malam Makasi. Je crois que c'est ce qui l'a un peu plus mis en colère. J'ai appelé l'honorable Pacho Panda à l'époque. Naebisa no biyebisa wera nani comment on appelle clip on a bazo tiana TV balongola yango parce que ça n'honore pas la RDC. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses. Et quand nous considérons le portrait psychologique de la personne, c'est insultant qu'un homme comme Wera estime qu'il peut chanter pour nos enfants. Mais c'est très grave ce que vous dites, parce que vous reconnaître même pas que Aruki Kosa les Lokabongo. Je vais te dire pourquoi. Oui, parce qu'il a chanté déjà à Croix-Rouge. Mais est-ce que Ayemba Yango bien toi, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as tonalité, que tu as demi-ton. Toi, le contenu. Est-ce qu'il est capable de faire un contenu éducatif? Mais fais pas lui. Soyons sérieux. Non, mais Monsieur Bosembe. Maïs, je vais bien, mais qui Céline Dion n'est pas reconnue comme une écrivaine. Elle n'écrit pas de chansons. Oui. C'est qui Goldman qui a écrit pour lui. Ah, monsieur. Donc, monsieur. Qui, Wera monsieur peut aussi accepter. Monsieur Bosembe, vous avez parlé de qui? De Jean-Jacques Goldman. Ouais. Si vous avez la carrière et à Moutouazo Komela. Comment on appelle Céline Dion Banzem. Si vous avez la carrure, il y a Batou, il y a Batou, il y a Batou, il y a Banzem. Après, il y a un peu de Batou, il y a même, il y a Bissot, tout ce qui est éducation, il y a Banana Bissot. Namaboko Nabango. Je le dis à la télévision et j'aimerais que Wera m'entende. Je n'ai rien contre lui. Il a des très. Ou il avait, s'il considère qu'on n'est plus amis, je m'en fous, des très bonnes relations avec moi. Mais moi, Miles, je considère que, un, il n'est pas un éducateur de masse. Deux, il ne le sera jamais. Est-ce que vous voyez que j'ai vécu deux choses. Anniversaire, il y a JB. Ma bengi susu na ndawa JB na comment on appelle na Montfleury. Na Montfleury. Biso toi balouba. Tokei na anniversaire. Et le moment est choquant à pe bangi sanga. Bazo et Mabanzem. Toko mi kote ya. Toko i a a a e. Toko a. En fait, tant que babandi, na yenga na. Ça y na moutou na yenga na bitou na bi. Ah, je vais voir si ces gens peuvent faire ces choses devant leurs enfants. Parce que moi, tant que yenga marango. Mingi ba na ba ba fa na na pote me victime. Ba yoka pe mizika tata na bango. Mais wana pe na zwa yina bi son yon sotou. Na moua sa jibe. Na ba na jibe. Na ba tante. Na ba oncle. Nous avons dit 50 ans, nous avons dit mais nous ne pouvons pas concevoir ce genre de choses. Tu es sorti que de la fête ou tu restes? Je suis parti. Mais tu ne peux pas faire ce genre de choses devant ta mère, devant tes enfants. Bosé Matoko I-A-A. Non, je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais. Non, Tamabi Toko I-A-A. Oyebi Kriwana, Oyebi Makambalwana Kati. Si, et puis Oyebi. Simbana.
Ça, c'est ce qu'on dit, en fait. Togo Simbana. Moi, j'ai entendu ça, en fait. Togo Simbana. C'est ce que j'ai entendu. Nazara musicien. Donc, on a un peu de bien, bien, bien. Pour n'attendre pas rep, n'attendre pas dire, on a ce que Nazara pour n'en aller sur le bas. Mais bref, j'étais encore à l'anniversaire de la fille de Wera à une certaine époque. Bana Yamike Baye, à l'époque, elle avait eu ses 9 ans. Bana Yamike Baye. Tu ne peux pas supporter. Est-ce que nous ne savons pas que ces gens, les gens de la musique, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Est-ce que si nous leur disons. Mais Bandi Leloté, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Non, le Bandi Leloté. Rochereau a chanté ça. Je vais te dire une chose. Qui l'ombre a chanté ça? Pire d'ailleurs. Pire. L'ombre, pire même. Je vais te dire une chose. Nous avons dit que l'ombre a chanté ça. Oui. Et Bimate. Ouais, mais bon, il a chanté. Hein. Il a chanté. Mais nous avions un pouvoir qui a interdit. Je te dis, Kofi ou Nyokalongo. À cause de Etutana, ils ont été arrêtés par le président Mobutu. Oui. Qui ne le sait pas? Aujourd'hui, évidemment, je pense que Badouwa Bawera, il faut Bakanga Bango. Batchabango en prison. Parce que ce qu'ils font, je ne le dis pas Namote Mamabe, mais je le dis tout en sachant que Bisotona Mongotinaba na biso potote. Bisotwa Babola na mboko. Si on faut tirer la bango à venir à Bana na biso ba détruire Zakayango kaka nengwana. Est-ce qu'il y a le concert? Combien des enfants? Au fait, est-ce que vous voyez que statistiquement, quand papa a lancé un cri, on a cherché chance et le nombre de chege est cola. Mais est-ce que tu sais une chose? Tu sais, je le disais aussi, bah incompétent, bah médiocre, bah toi na bana ambition, moi le quoi qui n'doki. J'ai jamais vu de gens. On dirait plus ils sont bêtes, plus ils ont des ambitions démesurées. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre des gens qui ont du mal à réfléchir, même en lingala ou dans sa langue maternelle, mais ce sont eux qui ont l'ambition de devenir des dirigeants. Ambition de devenir dirigeants. Le pouvoir de Mabouina a été établi sur les limites. C'est-à-dire, on vous fixait une limite et au-dessus, il y a limite. On a beaucoup qui n'était. Fais une comparaison au monde à Motlowa, à Mobutu. Il prenait toujours les meilleurs, même en termes d'artistes. Mais la lobby, elle a émission à Luambo, Navi Lukunku. Mais c'est des gens instruits, comme tu n'as pas l'idée. La émission m'a dit attends. Ouais. Ce qu'on voit. Rochereau même, hein. Rochereau, voilà. Faut l'entendre parler. Voilà. Mais... Et ce type, quand il chante la bêtise, il la cache. Il faut un code. Biso, au nom de quoi, moi je peux me taire pour ne pas lui dire à lui qu'il n'est pas un éducateur de masse. Au nom de quoi? Et c'est ce qui a fait que vous. C'est ce que tu as fait que vous commentez. Il m'a vu, il m'a pris à partie, Abinaza contrayé, pourquoi on aurait voulu. Je n'ai pas répondu. Il y avait Kaloudji, il y avait Patient, il y avait Makaba, il y avait tout le monde, je n'ai pas répondu à Tali. Dieu que nous sommes Nicolas. Nakendeki. Parce que Zalagi joue au Balubaki que Wenge, Baroluba Makamo, au Tali guerre. Tout soutenir ma FARDC. Le coup les a créé nous nanga. Je suis allé justement pour récupérer ce message-là pour n'aller qui sayango. Responsable. Ou alors bien on a petit na robeta yo. Si on a mis tout une minute ou on a sorti na boyaka. Dans ça la soko qui impoli, ne ba ki no bazalaka. Et linga soko la biso wapi? Nga beta o ou bien angati na beta o? Kota linga ka yeba ki facha ko ma président na mboko yo juruana. Oh, donc yo de tout monde la mutu pa facha ya kota? Te na lobi boyi. Facha ko kota la ngati facha ko de la ngande. OK. Mais facha a installé état de droit. Ah, d'accord. Donc on va linga ba ninga état de droit comment? Te linga ka mona pena ke encore ngai ne na la boyi nga mais ba una sengeli yo ba sale la yo état de droit. Et j'ai les arguments parce que je ne peux pas que les ministres qui m'entendent, que les musiciens qui m'entendent sachent que je n'ai rien contre les musiciens, contre eux. Ce sont des gens avec qui nous parlons. Mais qu'on ne peut pas. Quels sont les musiciens nous ne pouvons pas
aujourd'hui commencer à admettre que impunément batouana ba bébé sa éducation à Donc tu penses que c'est nos musiciens qui sont ces musiciens selon Yo à la 5 qui ne peuvent pas se prévaloir du titre éducateur de masse, qui ne peuvent pas avoir le contrat avec le ministère de l'éducation pour que ba éduquer bana biso. D'une manière générale aujourd'hui notre musique d'une manière générale est comme musique bon sale. Tu mets Jean Goubal dedans aussi? Non, on a l'habitude d'une manière générale. Prenons les exceptions. Musique n'a biso et comme sale. Musicien ego yé banaté, soka yé mili beauté, soka yé mili kate, soka yé mili foot. Tu vois, et ça quand c'est juste maram d'abord une fois. Mambo bana bi dans côté, c'est toi qui dis des choses, moi je comprends pas. Et bah téléspectateur, yo za muta mayé le goyé bangoté, biso to ara, moni biso za bata royo mini. C'est une amolongo bata mayé le na ali na molongo ya bata na penalty, c'est dire que oyo ka soka bani li kamune wa ya li fou moko fo bima. Sou mon nana ngwa la fou na makambo ango. Sikoyo Omoni motolo kwa Jean Goubal. C'est pas possible. Omoni motolo kwa Jean Goubal. Si ko omona que motolo la Kofi Olomide. Motolo la Jean Goubal. Ba congolais pe ba kinwa to kolinga bangote. Ben. O tangi mususa. Kofi? Tu bah c'est vrai que c'est monde c'est Kofi. Yo non. Yo ko tanga komonete ngai na tanga. Kofi peut être un éducateur de masse. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a étudié et il connaît les valeurs humaines. Mais Kofi, c'est quelqu'un qui a choisi de donner au public ce que le public veut. Bisotan ko okola. Banzembo ya Kofi to komela ngo basi osala ngo pena poem otili mo sikonzi pa lingi yo. Mais le kola to koma na peuple moko peuple lingi makamu ya impoli, il est pas lana na ekaka mulongo. Mais intellectuellement, je préfère rester avec voilà, avec les gens que intellectuellement parlant, Kofi nyo kalongo. Vous comprenez, Jean Goubal, Redi Amissi. Redi Amissi. Ouais. Tu vois un homme comme Redi Amissi, ouais, par exemple. Ça, c'est pour moi un carton plein. Je te dis. Redi et Jean Goubal, carton plein. Je te dis. Stino Moubi, carton plein. C'est-à-dire, tu as des gens, pour eux, pour développer thème, pour qu'ils aient une introduction, pour qu'ils aient une partie centrale, pour qu'ils aient une conclusion. Héritier Watanabe, oui, si, c'est bien aussi. Maintenant, il faut dire que Nakati n'est pas musicien. Il y a des personnes intellectuelles, pas intègres, mais intellectuelles, au bas la capacité où on est aux éducateurs de masse. Mais parce que là, dans le mouvement, il y a population. C'est-à-dire nous avons des mauvais consommateurs. Le Congolais est un très mauvais consommateur. Félix Oise quoi? Voilà, encore quelqu'un de très intelligent. Vous comprenez? C'est-à-dire, à la mouto, à l'oubapé, l'ikamoubapé, va vandi, va sainini, va yoki. Mais où est la soka bandi déjà? Bah, geste kaka déjà, et c'est la kisi qui est. Qu'est-ce que tu avais couvert? Je n'ai rien. Mais au tout, il y a une vie. Je n'ai rien. Totika qui est déjà. Papa, mais au so qui. Non, tu es très sévère avec so lui. Qui, non, non. Sauf so qui, il y a des musiciens qui m'ont reçu chez eux, qui ont été bien avec moi. Ouera en fait partie. Ouais. Et c'est d'ailleurs parmi les musiciens congolais, le musicien avec qui je suis le plus proche. Et je pense que moi, ce que je suis en train de dire pour lui, c'est une thérapie. Il n'aime pas comprendre. Il n'aime pas les homosexuels, c'est ce qu'on m'a dit. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ces côtés-là. Bon. Ça, j'ai appris ça aussi, ouais. Mais nous parlons de l'éducation. Ouais, parce que lui, au moins, de ce côté-là, oui, il est très rigoureux, ouais, il n'aime pas ces bêtises-là. Ouais. Ouais, bon, est-ce qu'elle lui ont bébé, oui. Est-ce qu'on va pas mal méprendre bateau, baza, les autres. Risque de nous traiter des homophobes. Je ne suis pas homophobe, moi, mais. Moi, je le suis. Que les gens sachent que Nengue Toza Boué. T'es dans toutes les histoires, je l'aime beaucoup. C'est le musicien avec qui j'ai les meilleurs. Maman Moussa, c'est un goût dans le bon, on a TVT. Pendant là, c'est que le roi de la forêt. Mais si vous avez une éducation, la Bible dit que les enfants sont une flèche. C'est-à-dire que moi, je suis un peu aza flèche wa kotonga mboka lobby aza muto wa kosala ke nkita ekolo ke na liboso. Mais nous devons protéger l'éducation de nos enfants. Alors on a terminé finalement cette histoire. On a poussé ni pour la tourner sous deuxième question. Il y a une polémique. Parlons de la nouvelle génération. Il y a pas musicien. Il y a musicien, ça part de, je sais pas, il m'ont dit mon bien, je corrige-moi si je me trompe, je vais prendre Fali ti na li kinabiso asuka innocent, je crois que c'est lui le dernier, hein, le plus jeune je pense. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves Bango? Est-ce qu'ils peuvent être des éducateurs? Parmi Bango, est-ce que Banane Bango est un éducateur selon vous? Au moins, la nouvelle génération. En tout cas, on a habité sur la classe Bango bien, parce qu'après, il y a des 5e, 6e, 7e, je ne sais pas ce que ça veut dire. Prenons ça comme ça. Voilà. Ce que Tolongoli m'a dit faire,
le reste peuvent l'être. Ah, non, faire gros à l'anté. Non, Nalobi Boué, éduquer veut dire quoi? Non, non, je comprends pas ta logique. Ça demande hein, un certain niveau, un certain cursus pour être un éducateur des masses. Qu'est-ce que Fally peut faire que faire ne peut pas? Tu sais que Fally, depuis, à Lomwana quartier latin, c'est un garçon qui a cherché à étudier et à évoluer. Fally a appris le français. Hein. Et l'anglais aussi. Et l'anglais. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a besoin d'ascension à l'ascension à matin à bas niveau. À percer le monde occidental. Et tant que nous avons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que il n'en a pas le temps. Non, Ferré dit qu'il est dépositaire, il y a Rumba, la mission culture, la mission boutique. Il y a Rumba. Il veut pervertir. Non, non. Rumba. Il veut garder ça. Nous parlons ici de l'intelligence et de la valeur intrinsèque des individus. Nous ne parlons pas de la musique chantée. La musique chantée, c'est l'art, c'est ce que tout le monde peut, c'est ce qu'ils peuvent tous faire. Mais maintenant, quelle est leur capacité d'être éducateur? Okay. Pour comprendre. Wanande, ce que tu continues, tu as dit, tu as dit, tu as est-ce que vous avez la capacité à vous salaire? Et tu penses quoi des autres? Gaz Maouete, oui. Innocent, Banoumé... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Gaz bon. Fabulous. Est-ce que tu le connais d'abord? Nani. Babatoré, c'est la Gaz Maouete, je connais. Innocent. Il a fait Elo Moro Souri, une chanson bête comme ça, là. Oh, c'est pas c'est, qui tient quelque chose comme ça, pam, pam, pam. Tu vois, ça, c'est la mauvaise éducation. Mais, cela dit, il peut faire des choses intelligentes. Il en a les capacités. Et innocent? Il peut faire des choses intelligentes et il en a les capacités. Connais, le problème, connais, c'est que... Tu le connais quand même? Innocent. Ouais. Pas individuellement, mais okay. Évidemment... Si, si, il y a quand même. Il y a tant qu'un peu individuellement. Hein? C'est-à-dire que, toi, n'as pas de capacité, Zali. Mais Moka, na public, na demande à consommateur, ils ont obligé de faire pour y avoir des gens qui ont en haut. Bon, Lexus légal. Non, Lexus, c'est un génie. Lexus, mais c'est un génie. Ça, c'est un génie aussi, je dis. Oui, Lexus, c'est un génie. Il y a un Lexus, il faut savoir le voit à Zangoubal. Vous comprenez hein? Bah, Lexus, c'est dit bateau, il y a et Lexus, je ne sais pas si ça a déjà un mot impoli. Lui, c'est quelqu'un qui réfléchit même dans le sens du développement du Congo. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, texte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes, bah, on a pas texte. Nous, on était friands des textes. Les jeunes de notre époque, tu vas comme un texte, on va faire une radio cassette, on finit play. On va faire un texte, on va autant un message. Tant qu'on dit, yeah, l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Si tu as une école, tu vas passer une sixième dissertation. Il y a une sixième dissertation. Moi, on a 13 ans. Merci. Merci. Une très belle chanson, Blondine Pemba. Est-ce que j'ai dit que c'était ouais. C'était pas une belle c'est, chanson? C'est des cartons. Mais j'ai dit. Il y a une chanson. L'intelligence. Qui vous s'en pas beaucoup. Comment on dit Nalobi Boye. L'intelligence, je pense. L'intelligence. Grand monsieur. Moi. L'intelligence ben oui, derrière. Ça, je suis moi. Tout à fait. On m'a dit un musicien. On a quatre musiques. Toi, Nabil Omissad. Auteur, compositeur, interprète. L'auteur, texte. Tu verras que des grands musiciens comme Papa Wemba, il n'a jamais écrit, presque jamais écrit de texte. On comprend, on lui écrivait toujours. Jean Goubal a écrit Longembo. Voilà. Tu vois mais le compositeur, c'est lui. Le compositeur. Sauf qu'il a papier, auteur, compositeur, tout, c'est lui. Encore, il faut savoir. C'est qu'on a une qualité à texte. Qualité à mélodie, on a bien. Augustine Ngali. J'aime beaucoup. Mais ce qu'on. À part la guitare, qu'est-ce que tu aimes dans le texte? Non, pour nous, quand c'est moi, on a reçu ça. Vas-y. Le grand monsieur. Jules Bavon. Jules Bavon, voilà. Tu vois, le texte, il est. Naïb, ça, on t'a comment texte, non? Oh, Naïb. Petit grave. Merci beaucoup, Maïs Kibangu. Messieurs et dames, je rappelle que c'est sans rancune en tout cas. Maïs en parle comme lui-même éducateur. Il parle en tant que journaliste, mais aussi en tant que penseur. Je crois qu'il donne son point de vue. Et nous avons posé des questions pour éclairer l'opinion. On a fait plus d'une heure, 1h17, c'était pour ça. On a fait donc une première partie sur nos richesses, une autre partie sur nos mentalités. C'était un grand plaisir. Avec toi aussi, ça l'est noté. Donc,
Le plaisir est partagé. Je sais que cela combien tu auras en tous. Merci beaucoup. Alors, il y a des gens qui ont apprécié la première émission, qui m'ont envoyé les phrases, les mots, j'étais ouf, ils ont suivi tout ça, nos propositions, vous savez, on a eu l'émission, vous savez quoi, les solos, j'ai dit, bon, il y a des gens avec qui vous faites une émission, et puis il y a des gens avec qui vous échangez. Donc avec Maï, ce n'est pas une émission, c'est vraiment des échanges, tout ça là. On aura même un projet, tout ça là, après, il y a sans questions, sans mesdames et messieurs, il y aura maman, tout le monde, qu'on partage, vous allez très bien. Merci à... Vous bien pour Nambo Galabiso. Nous avons perdu les penseurs, nous avons perdu... Non, beaucoup de gens existent encore en tant que penseurs. Il faut le faire. Une table ronde où on parle que de ça. On ne se fatiguera pas. Et je pense que les gens comme Fally peuvent aujourd'hui représenter cette catégorie de personnes. Des gens qui sont partis de rien, mais qui sont devenus batonakati à monde à cause de... Il y a volonté na bango ya koyeko là. Ça, c'est des modèles autogol à Saba Anabiso. Bola na moto loko a Fally. Mais papa, on a moussou autant que l'oro ou banou ou combattre. Est-ce que bon abibo, c'est me permettre à tout le monde de s'assurer. Est-ce que yo, moi, on a yo, ou pèse et tata, on a la naïa, la modèle naïe. Christian Philippe, na. On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le...